Odeur nauséabonde, urine noire, c'est le visage de l'école de Koussou, ancien centre de santé de cette localité. En effet, depuis plus de 2 ans, les élèves de Koussou n'ont plus accès à ce bâtiment, donc aux cours, par manque d'enseignants, nous dit Mick Patrick Nzamba Dukaga, habitant de Koussou. Nous n'avons qu'un vacataire. L'enseignant qu'on avait affecté ici ne se présente même pas. Les enfants ne vont pas à l'école. 3 ans de cela. Il y a que le vacataire qui se débrouille avec les enfants. Bon, comme il est seul, vraiment un grand village, au moins de 200 élèves. Il n'y a qu'un seul vacataire, puisque l'enseignante ne vient pas. L'école, un des facteurs de développement du pays, aujourd'hui devenu un luxe, une rareté dans les contrées du Niari. Un fait déploré par les populations de Koussou, obligées de se séparer de leur progéniture en début de semaine, afin que ces derniers aillent apprendre dans les villages avoisinants, parcourant des kilomètres. On est vraiment très désolé parce qu'un grand village comme Koussou, près de 2000 habitants, nous n'avons pas une école. Donc nos enfants sont maintenant, nous préparons des enfants abrutis qui ne vont peut-être rien savoir comme l'autre là a écrit même A ou O. Les enfants ne fréquentent pas, donc vraiment ça nous déçoit. Donc il faut peut-être faire les efforts pour que nous ayons une école à Koussou. Premier producteur du bois, de bananes, de manioc exportés au Gabon, les profondeurs de ce département sont abandonnées en matière de projets d'éducation.